Hey! Salut à toutes et à tous, ici Dia et on se retrouve pour un nouvel épisode de Thomas Was Alone. J'ai un peu cafouillé dans l'épisode d'avant, hein, c'était un peu... quelques problèmes, tout ça, mais au final on s'en est sorti. Après, en termes d'histoire, c'était pas le cas de nos personnages qui se sont tous fait enlever par cette espèce de nuage, des pixels noirs. Pas bizarre. On se retrouve donc dans un... Nouvel environnement, si je me souviens bien, je vous avais laissé le texte de ce nouvel environnement, c'est le petit texte qui donne une condition un peu différente à l'univers en début de chaque monde. Je vais vous le remettre quand même, au cas où, hein, on sait jamais. Voilà! Le voici. Et là, on est dans des choses un peu moins... Un peu moins informatif pour le coup, j'ai l'impression. L'envoyer sur le chemin de sa destinée, ce genre de choses. C'est pas vraiment le même registre. J'avais pas calé par contre que la pluie allait de bas en haut. Donc, Monsieur Vert, changement de gravité. Ça marche. Encore un nouveau truc. Ah, c'est bon. You've totally got to meet my mate James, he's literally insane, kind of way. Ah, je comprends que le narrateur y a un prix, franchement. Merci, notre nouveau personnage, James. James. Oh! Faut que j'arrête de vouloir aller vite, c'est pas un jeu fait pour. Hop. Sauf dans certains ateliers, bien sûr. Tac. Ah! Je passe comme ça en fait. Voilà. Hop. James qui a toujours été un peu différent donc. Ah, on va refaire juste ce petit truc, tant qu'à faire. Alors oui, je vise pas à tous les récupérer, hein, comme d'habitude, vous vous en doutez, c'est pas le 100% qui m'intéresse dans le jeu. Quand bien même les procédés qui sont mis en avant pour permettre aux joueurs d'atteindre le 100% m'intéressent, eux. Moi-même, l'atteindre, ça m'arrive rarement d'être vraiment intéressé par ça. Non, ce qui m'intéresse davantage, c'est... D'accord, j'aurais dû aller de l'autre côté, en fait. Bien joué. Ah, il est plutôt pas mal en saut. Je pensais réussir à remonter dessus. Dommage. Not since getting eaten by that cloudy pixely thing. He turned up here in some kind of cage. Hop. He'd gotten out, but it had taken a long time. Ouf. Ouf. Super, hein? Et James, tu es l'élément manquant, celui qui va tous les sauver. James liked being What? Alone. No one to insult him or question his unique disregard for Newtonian laws. Hey Jimmy, where are you going? Up? Un peu insocial, James, mais après, sur la culture de la différence aussi par les autres gens. On a retrouvé Thomas! Salut! Darwinian Collection. Ah! Ah non! Ah! Hop là! Ah! Oh bah non! Oh bah zut! On va y arriver, on va y arriver. Peut-être, un jour.
C'est pourtant juste des sauts, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ça demande une certaine synchronisation entre mes mains gauche et droite, apparemment. Ah, ce plafond, par contre, il est méchant. Hop, là. The little red guy looked confused. His cage was a lot smaller than James's had been. James decided to find a way to help. Maybe they'd be friends. Oh, ça y est, malgré son caractère, malgré tout ce qu'il a pu endurer par rapport aux autres, ce rapport entre l'enfermement de Thomas et celui de James encourage James à aller aider Thomas. Un nouvel ami. Thomas had no idea. Oh, nice. He was here. One minute he was with his friends, the next he was being freed from a cage by a green guy with a nervous laugh. He knew he had to get back to them. Ah, bien, ce petit niveau simple pour montrer le. Montrer l'entraide entre James et Thomas et au-delà de ça leur complémentarité. Ils ont à peu près la même taille, la même capacité en saut. Thomas imagined he'd feel the same way if he fell upwards all the time. Comment faire? Comment faire pour faire venir Thomas? Je peux utiliser James comme escalier de cette manière-là. Mais ça va pas beaucoup m'aider. Ah mais oui! Génial, je peux le porter du coup. What? Ok. Ok, James et Thomas, ensemble, c'est des super-héros. C'est génial! Alors, du coup, si je mets Thomas comme ça et James comme ça... c'est super. Énorme complémentarité. Hop là! Ah, et là, il va vraiment falloir utiliser ce super pouvoir. Ok, les mecs, c'est parti. On y va doucement, tranquille. Oh! Est-ce qu'il peut sauter? Direct de l'un à l'autre. Ouais, bien. Oh zut. Mais du coup, j'avais pas besoin de faire ça. J'avais juste à faire ça comme ça, et lui, ça comme ça. Je suis passé en mode. J'ai trop la classe en fait. J'ai trop la classe, mais je suis un peu lent. Là. Hop. Là. This was working. James and Thomas working together. Could get anywhere. James didn't seem to understand the immense ability he possessed. No. Oh. James peut tout refaire. Ah zut. Là. Tac. Reviens. Merci bien. Oui. Là. Je vais assurer James. Voilà, maintenant faut que j'assure Thomas. Si. Oh zut, il fallait que je reste sur le carré, j'ai mélangé les deux parcours. Là, tout. Bien, Thomas, bien.
ça, j'attends le cube, je reviens sur le cube, et voilà. Les deux paires sont assurées. Ensuite, on va là. Ok. Peut-être, du coup, si Thomas était emmené par le nuage, c'est-à-dire que James a été emmené par le nuage il y a un plus long moment, genre un peu dans le genre. Ça va être. James grudgingly helped Thomas to each portal. He knew that eventually they'd find the others. Then he'd go back to being the weird one again. He decided to enjoy the time they had left. Mais tu sais, même si t'es différent, tu peux devenir notre ami. Il va falloir le considérer dans les ateliers. D'attendre là. Mais c'est tout à fait faisable. Oula. Est-ce qu'il y a un moyen d'aider Thomas? Oui, bien sûr qu'il y a un moyen d'aider Thomas. Hop. Toujours un moyen d'aider Thomas. Là, le même principe. Hop. On passe ici. C'est tranquille. Ah, vite. Tac. Vas-y, Thomas. Bien joué. Alors, ensuite. C'est au tour de Thomas D.D. James. C'est pas ici que j'aide, c'est bon. Hop. Belle progression entre nos deux camarades. Hop là, Golden Duo. Alors. C'est quoi la présence de... D'accord. Si tu veux, on peut en faire passer un après l'autre. Ce sera peut-être plus simple pour le coup. Ah, mais c'est pas possible. Thomas even want to spend time with James. Was he not repulsed by his weird color? Ah non, c'est vert, non, c'est pas là-bas. Il y a des gens qui aiment bien le vert. J'aime bien le vert. What? Voilà. Ensuite. Tac. Hop. Did he not care about his inversions? Ah non, absolument pas. Tu es un ami, James. Comme ça que ça. Oh, comme ça que ça fonctionne. Ok. Nice. Ah, c'est parti pour le. Les super pouvoirs, la fusion James Thomas, un peu longue à utiliser, mais vachement cool dans le principe. Allez, mec, on va y arriver. Alors, par contre, du coup, maintenant que j'en suis là, c'est James qu'il faut que je mette en premier. James was having fun for the time being. Ok. Vraiment des bonnes idées là-dedans.
pas à dire. J'ai hâte de bien sûr la... la review. Bah, sur le coup, bien sûr, la review ne parlera pas de tout. Parce que la review de. Enfin, je peux pas faire un portrait vraiment super exhaustif sur tout un jeu. Enfin, si je le faisais, je pourrais pas le faire pour tous les jours en tout cas. Ça prendrait énormément de temps. Ce serait peut-être même indigeste. On est dans le nouveau monde. Ah, oh, excusez-moi. On est dans le nouveau monde. Et on a un mec violet. Oui, on a un mec violet. Trop classe. Best couleur ever. Du coup, ouais, un portrait exhaustif, mais complètement exhaustif, hein. Bon, sachant que bien sûr, ce n'est qu'un avis ou des ressentis personnels que je cherche à donner, en plus d'un descriptif relativement factuel sur un jeu. Mais ne serait-ce que pour donner un caractère exhaustif à cet avis sur chacun des jeux, ça prendrait un temps énorme. Et si c'était une émission audio, ça prendrait plusieurs heures d'écoute. Si c'était un article écrit, ça prendrait un nombre de pages assez important, qui va arriver selon le jeu bien sûr, mais pour n'importe quel jeu, il y a énormément de choses à dire, ne serait-ce que pour le genre lui-même, et sans compter après le nombre incroyable de digressions que je peux faire pour chacune des notions. Donc j'ai hâte de faire une review de ce jeu, mais je sais pas encore ce que je vais mettre en avant. parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui me plaisent énormément. On verra. On a le temps d'y penser de toute façon. Pour le moment, on est encore sur le cheminement du jeu, le fait de le parcourir tous ensemble et de s'éclater avec ces petites formes géométriques qui sont franchement... Oh, elles ont du caractère, quoi. Du vrai. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour la suite. Si tant est que vous vouliez bien regarder la suite, encore, ça dépend de vous. Là, vous avez une souris, vous cliquez au bon endroit, et puis pouf, un nouvel épisode. Allez, à toutes!